Hello, hello, hello. Bonjour, merci tout le monde d'être ici, d'être là, d'être avec nous. Bon, effectivement, 18h, un jour ouvrable, c'était un peu ambitieux. 17h aussi, on a des gens qui sont arrivés à 17h. Désolé pour elles et eux, surtout eux. Bon, j'imagine qu'on va commencer là. J'ai pas d'oreillette directement avec la régie, donc je sais pas exactement comment ça se passe, mais apparemment, on appelle Ismaël et Héloïse, qui ont tous les deux monté un chouette projet qui s'appelle Studio Lo, dont ils vont mieux vous parler que moi. Mais je sais pas trop. En tout cas, j'ai beaucoup de lumière. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est merci Benoît, merci la Projection Room pour nous avoir aidés. Merci à toutes les personnes qui sont venues parler de quelque chose ou montrer quelque chose, mais qui en parleront mieux que moi. Merci Marius qui n'est pas encore là pour le graphisme. Merci Gabriel pour la relecture. Et merci aussi Martin et Maxime pour le stream. Voilà. On est en direct là, c'est ça? Ah ouais. Super. C'est toujours un peu sympa d'être face à une aussi grande salle. Comment? Bah, c'est bon, moi je suis prêt. Parce que Isma est en train de... Vous êtes en train de l'appeler ou? Bah, je sais pas. Il y en a pour combien de temps? Parce que je peux parler pendant 5 minutes si tu veux, mais. Ah ouais? Ok. Bon, du coup, il s'agit d'un événement qui s'appelle Ex Natura, comme vous le savez probablement tous et toutes. L'idée, c'était un peu travailler sur comment la nature reprend ses droits. Parce qu'on parle souvent de nature, on parle souvent de civilisation, et on a souvent un point de vue qui est soit défaitiste, soit positif. Mais toujours et souvent centré sur l'humain. Et là, on a essayé de se centrer plutôt sur comment est-ce que la nature va prendre sa place sur l'humain, que ce soit de manière frontale, en ayant des imprégnations de nature dans ce qu'on appelle la civilisation, ou le contraire, comment la civilisation va s'approprier la nature, comment est-ce qu'on va essayer de la percevoir au-delà de nos cinq sens, les cinq premiers sens. J'ai pas vraiment préparé de pitch et on a essayé d'écrire un texte que Gabriel a relu. Merci Gabriel. Mais j'ai l'impression que Héloïse et Ismaël sont ici avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, on t'entend. Bienvenue. Alors on vous voit sur un Merci, grand écran de bonjour à cinéma. tous. C'est une première, super. Alors apparemment, il y a Vous un nous petit temps de entendez? décalage, donc on va faire attention. Voilà, si je vois que vous continuez à parler. J'attendrai une seconde ou deux. Ça marche. Ok, on fera pareil. Super, bienvenue. Désolé pour les délais un peu en retard. Et ben, peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter en tant que personne, présenter votre parcours et puis Studio Lo, si ça vous dit. Ouais, avec plaisir. On avait préparé quelques images. Est-ce que ça fonctionne si on fait le partage d'écran? Je pense que oui. Ok, donc je pars sur celui-ci. Bureau. On peut peut-être baisser un petit peu la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Baisser un peu le son aussi. Ok. Alors on voit bien vos images, en tout cas. Et on voit Super. bien votre slide sur le côté. Parfait. Là, vous voyez mon grand écran, c'est bon? C'est super. Ouais. T'as coupé là. Bah, allez-y, hein. Ouais, parfait. Ok. Super. Par contre, on n'arrive pas Donc. à lire sur Ok, mais ça marche. Ça sur Studio marche. Lo, on arrive à le lire, mais la seconde slide, pas encore. Si? Ouais, ok. Ok. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire, oui, oralement. Bah, moi, je suis Héloïse, du coup.
Voilà, Moi, je donc. suis Ismaël, et du coup, tous les deux, on compose le studio qu'on a voulu appeler donc Studio Lo. Studio Lo, c'est une référence au Studio Lo italien, donc c'était une forme de cabinet de curiosité, et on a rajouté ce petit W à la fin, on trouvait la blague marrante, et c'est resté depuis, voilà. Ouais, c'est un nom donc qui a été créé pour parler vraiment brièvement de notre parcours aux Pays-Bas, où on a fait nos études dans une école de design. Donc on a été formé en tant que designer, mais on se définit pas uniquement en tant que designer, puisque vous allez voir que dans nos projets, ce qui sont essentiellement des projets de recherche, on s'exprime essentiellement sous la forme d'installation. Donc le design, c'est plutôt une méthode de recherche. Et le résultat, il s'apparente plutôt à des installations artistiques dans lesquelles se mélange de la vidéo, des formes de sculpture, enfin ce qu'on va vous montrer. Voilà. Brièvement, on vous montre quelques projets qu'on a réalisés Ça, ces c'est dernières le. années. Donc ça, c'est le projet dont on parle aujourd'hui, donc Oui, donc on Modern vous montre Aviary. juste une photo d'installation, mais on reviendra en détail après. Celui-ci, c'était un projet qu'on avait réalisé à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, à Ceuta, et on s'était intéressé au système de transport de matériaux entre l'Espagne et le Maroc. En gros, les systèmes D, un peu les systèmes mis en place pour transporter Des marchandises. des marchandises, voilà. Parce que pour rappel, c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup de marchandises qui transitent. C'est donc à la frontière entre l'Espagne et le Maroc, mais sur le territoire marocain et c'est en Afrique. Et c'est une zone donc qui est détaxée du côté espagnol et il y a beaucoup de Marocains qui quotidiennement, enfin il y avait, c'est une situation qui n'existe plus, il y avait beaucoup de Marocains qui passaient. Chaque jour pour récupérer des marchandises puisqu'elles étaient détaxées et pour les ramener sur le territoire marocain. Et nous, ce qui nous intéressait dans ce projet-là, dans cette situation-là, c'était de montrer en fait qu'une frontière, plus qu'un élément non poreux, c'est aussi vecteur de créativité. Donc, comment on va réussir à contourner quand il y a une règle en place? Comment on va réussir à trouver une sorte de trou dans le système pour pouvoir s'approprier, pour pouvoir vivre avec? Et ces chariots qui sont à la base utilisés par les porteurs et les matériaux qui sont scotchés, qui sont serrés avec des T-zips, tous ces systèmes-là d'empaquetage. Donc sont empruntés à cette situation et ont été faits avec les travailleurs de la frontière, on les appellera comme ça. Pour nous, du coup, c'est une manière aussi de matérialiser cette situation à un moment précis. Voilà. À travers ces objets-là. Parce que pour rappel, en fait, c'est les gens peuvent faire ce passage en ramenant des marchandises uniquement à pied, d'où le développement de ces chariots. Donc là, vous Voilà, avez c'est du détail de pièces. du détail de pièces. Et là, du coup, on travaille souvent. Donc là, ce soir, on vous présente ces trois petits films. On travaille souvent, en fait, pour accompagner nos recherches, le petit documentaire. C'est un grand mot que dire documentaire. C'est du documentaire un peu amateur. On fait ça avec nos téléphones et avec nos petits skills de monteur. Mais nous, ça nous aide, en fait, à investiguer une situation et ça nous sert voilà d'outils pour ensuite matérialiser les choses parce que la recherche est quelque chose qui est la base de notre travail mais il y a une matérialité qui en est qui vient toujours après cette deuxième période voilà. Et là donc c'est un autre projet qu'on a fait il y a déjà 2 ans et qui est un peu plus comment dire, C'est plus une recherche de forme, plus une mais recherche de autour forme. d'une thématique qui était la dépression post-diplôme. Et donc, on s'intéressait à ce moment de vulnérabilité après avoir obtenu un diplôme artistique. Voilà, on s'est retrouvés à Marseille et typiquement, bah, nous, on n'avait pas de galerie qui nous représentait, on n'avait pas d'appartement. Enfin, c'était vraiment un moment un peu compliqué, on va dire. Et donc, on s'intéressait au salon à ce moment-là comme archétype et comme endroit dans lequel on va venir se réfugier dans un moment justement de vulnérabilité. Et on l'a transformé de manière à ce que... En gros, ouais, on a fait ce canapé dans lequel tu te vautres,
parce que c'était un peu notre situation, on n'avait pas d'appart, on n'avait pas de, comment ça s'appelle, d'atelier. Du coup, on vivait chez ma sœur à l'époque et on était dans son canapé à fumer des clopes. Et du coup, on a voulu redessiner cet énorme canapé qui sont en fait, la face, en fait, c'est les courbes d'Héloïse et il y a un paravent qui est en fait aussi les courbes de mon profil qui s'arrête au niveau du nez. Et cet énorme cendrier. Donc, le paravent, c'est pour se cacher du monde. Et le duo canapé-cendrier, c'est pour. Les activités plutôt qui peuvent prendre place dans un moment Le de spleen spleen. un peu comme celui-ci. Et alors, la mousse, ça a été aussi un peu. Ça, c'est un peu. On aime travailler avec un contexte. Et là, le contexte, c'était que. On venait d'avoir une expo après avoir diplômé, donc on était content. Il y avait eu une période de creux et c'était une expo en Allemagne. Et comme jeune designer, quand tu commences, jeune artiste, on te sert pas tout ça sur un plateau d'argent. Donc du coup, il fallait acheminer les pièces jusqu'en Allemagne et on n'avait pas les moyens de faire des De grosses, payer un de payer un transporteur. transporteur. Et du coup, en fait. Dans un peu cette esthétique du studio qu'on a développé, qu'on fait, c'est un peu ce système D, encore une fois. Donc, on a tout fait en mousse et on a tout empaqueté dans des petits ballots de plastique. On aurait dit de la drogue qui passait, parce que c'était tout scotché. Et du coup, on a tout fait passer dans deux valises, deux grosses valises cabine. Et voilà, on a pu arriver à l'expo et puis tout sortir. C'était assez drôle. Et donc le dernier projet, c'est un projet qu'on a monté avec des amis à Marseille qui s'appelle Travaux Publics. Et c'est un endroit où on essaye de. Donc c'était notre ancien atelier. Quand on est arrivé à Marseille, c'était le premier atelier qu'on avait, qu'on a tout retapé, machin, bidule. Et en fait, cet espace, on essaye d'y faire une programmation Culturel. culturelle. Voilà. C'est pas forcément, c'est pas que du design, il y a de la photo, il y a de l'urbanisme, voilà. Oui, c'est un espace de rencontre et d'échange en centre-ville de Marseille qu'on gère avec trois autres personnes. Voilà. On peut passer, si vous voulez, donc au projet Modern Ivories, celui pour lequel on est là. Colin, est-ce que tu sais si on passe d'abord les vidéos ou si on parle en premier du Peut-être projet? que, bah peut-être que vous pouvez introduire un petit peu le projet, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne le connaissent pas, même si on a fait une petite Ok. présentation sur le flyer. Peut-être rapidement, et puis montrer un peu les vidéos et parler de vos thèmes de recherche, si ça vous va. Ouais, Ouais, super. comment. Parfait. Modern Aviary, c'est un projet qu'on a fait en 2019 Ouais. dans le cadre d'une bourse de recherche aux Pays-Bas qui est donnée par un musée qui s'appelle le Van Abbey Museum. Et chaque année, il y a une exposition autour D'un thème. d'un thème. Cette année-là, c'était junk, C'était junk. tout simplement, donc les déchets. Et après, à nous de proposer le projet qu'on voulait. On a proposé un projet qui s'intéressait à de nouvelles habitudes animales et humaines, un petit peu en même temps, on va le voir. Et il y avait quelque chose qui avait un peu marqué Ismaël, en fait, une fois au Maroc, c'était le fait qu'il s'était rendu compte qu'il y avait des cigognes vraiment par centaines, voire par milliers, sur les décharges. Et donc, à partir de ce constat, on va dire, enfin, cette observation, on s'est intéressé un peu plus à la question et on a proposé pour cette exposition de partir à la recherche, on va dire, un peu de ces cigognes qui habitent sur les décharges. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est quand on a fait. Donc, c'est un phénomène que j'avais observé quand j'étais parti au Maroc. J'avais fait un projet avant celui-ci qui mêlait un peu, encore une fois, les hommes et les animaux. Et en fait, je m'étais rendu compte que les voies migratrices Ouais, que les humains. utilisaient les mêmes voies migratrices que les oiseaux. Donc. C'est-à-dire sur la pointe du Maroc, au nord du Maroc, il y avait un passage ici, et il y en avait un autre à Istanbul, vers la Turquie. Voilà, ces deux chemins migratoires qui sont utilisés autant par les hommes que par les oiseaux. Que les oiseaux. Et en fait, pour les cigognes, enfin,
On parle des cigognes, elles évitent en fait la Méditerranée tout simplement parce qu'elle est, y a des vents et les cigognes, vous savez, elles volent, elles montent en tourniquet comme ça, elles utilisent l'ascendance des vents et puis ensuite elles redescendent. Et du coup, elles font ça continuellement et les vents au-dessus, en plein milieu de la Méditerranée, sont trop difficiles à gérer. Donc elles essayent d'éviter le plus possible ce grand bassin qu'est la Méditerranée. Et à même titre pour les hommes, la Méditerranée peut être dangereuse comme on le sait. Donc, ils essayent à tout prix aussi d'éviter de passer en plein milieu. Voilà. On va continuer. Donc, ouais, on s'était rendu compte que, donc à travers ce projet, premier projet, que en arrivant au Maroc, qu'il y avait énormément de cigognes autour des décharges à ciel ouvert. Donc voilà, on est parti à la recherche un peu de ces cigognes. Voilà. Pour les rechercher, on a utilisé des sites internet qui retracent en fait les traceurs GPS qui sont sur ces cigognes. Parce que c'est un phénomène qui est assez peu documenté, parce que assez récent jusqu'à présent. Et donc à partir de ces points GPS, on a réussi à identifier plus ou moins trois points sur lesquels on avait l'impression que les cigognes restaient et surtout s'étaient sédentarisées. C'est-à-dire que justement ces cigognes n'achevait plus la migration, mais restait dans ses décharges à ciel ouvert. Donc ces points qu'on a identifiés, qu'il y en avait trois, il y avait Évora au sud du Portugal, Dos Hermanas qui est au sud de l'Espagne et Kénitra au Nord du nord Maroc. du Maroc. Donc ces trois points-là, ils se situent à la base sur les routes migratoires. Et les cigognes qui s'y sédentarisent, ce n'est pas toutes les cigognes, c'est une partie de la population des cigognes qui s'y sédentarisent, le font parce qu'elles bénéficient, on va dire, de conditions un peu idéales pour elles pour s'y développer. Parce que dans les décharges à ciel ouvert, il y a de la nourriture à En profusion, abondance. il y a des bassins de rétention des eaux. Il faut savoir que la cigogne, c'est un oiseau qui aime se reposer proche de l'eau. Et elles sont toujours situées, ces décharges, un peu aux alentours de villes moyennes, on va dire. Et donc, il y a les systèmes électriques qui sont pas loin de ces décharges. Et les cigognes nichent haut, donc elles nichent sur les poteaux électriques qui sont vraiment à proximité, des décharges. Donc, on va dire qu'il y a ces trois points qui font que les décharges, de prime abord, semblent, un lieu, dans lesquels les cigognes peuvent se développer facilement. Dans les faits, c'est différent. Tu peux remontrer la photo peut-être d'avant. Dans les faits, c'est différent parce que ça, par exemple, c'est une analyse qui a été faite par un chercheur sur des cigognes mortes trouvées à proximité des décharges. Et en fait, il s'avère que elles se nourrissent certes de la décharge, mais elles ingèrent du coup aussi beaucoup de plastique. Elles sont aussi malheureusement parfois touchées par des chocs électriques puisqu'elles sont sur ces poteaux et elles boivent en partie dans ces bassins de rétention d'eau usée qui sont également au final mauvais, Toxique. toxiques, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a une espèce de... C'est à la fois un paradis et en même temps un enfer. Voilà, c'est ça. Et comme disait Louise, en fait, c'est un phénomène assez récent, donc il n'y a pas énormément de recherches autour de ce sujet-là et pas assez de recul, je pense, pour pouvoir avoir une base sérieuse. Je sais plus ce que je voulais dire. Je passe au prochain slide. Je sais pas. Donc ça c'est une vue en fait de l'exposition. Donc comme vous voulez le voir, il y a ces trois sculptures qui sont en fait une représentation un peu matérielle pour nous de ces trois composants dont vous a parlé Héloïse. Donc il y a la montagne de déchets sur la gauche avec Les strates. les strates. Voilà, en fait ces montagnes de déchets elles sont toujours Organisé un peu. organisés ou ouais, montés de la même manière. Donc ils mettent une bâche plastique, une énorme bâche plastique. Ils mettent ensuite les déchets et ensuite ils rajoutent de la terre. Il y a toujours de la terre qui est rajoutée pour je sais pas, je me rappelle plus pourquoi. C'est parce que ça va venir contraindre les odeurs, tout ça. C'est ce Ouais. qui permet en fait de créer la montagne. C'est pour ça qu'on parle de montagne de déchets et qu'au final, ces montagnes, au bout d'un moment, elles atteignent une sorte de pic et c'est à ce moment-là qu'ils arrêtent cette montagne-là et qu'ils vont se concentrer sur une autre. Les centres de tri, ils opèrent de cette manière-là. L'objet central, donc, c'est une fontaine, qui est donc la représentation de ces bassins de rétention, qu'ils appellent dans le jargon lixivate.
Et à droite, donc c'est le poteau électrique. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de mixer un peu l'esthétique un peu mi-animal, mi-industriel de cette situation. Et à l'arrière, vous voyez, donc il y a deux vidéos. Il y en a une troisième qui n'est pas à l'image, mais qui existe. Qui Voilà. sont donc sur les trois villes qu'on a visitées. On a visité, ouais. Et donc, on va peut-être maintenant vous montrer les vidéos justement qui étaient présentes dans l'installation. Alors attendez, juste, il y avait en plus donc de ces trois vidéos, de ces trois sculptures objets, il y avait aussi, on avait fait un peu du mapping de ces De ces sites. de ces sites pour essayer de les comprendre, pour voir leur évolution dans le temps. Et on observe que ben, ce sont des sites qui grossissent. Donc on vous le passe maintenant parce qu'elles sont pas sur les vidéos, mais cette salle, en fait, était. Il Là, on y avait. vous entend plus. On avait... On vous entend pas très bien. Je sais pas si. Là, vous entendiez le son que je passais ou pas? Ou Ouais, c'était ouais, ouais. flou? Donc, ce son, en fait, c'était une ambiance sonore qu'on avait montée dans l'espace muséal. Parce que nous, le but de cette pièce, c'était vraiment de pouvoir retranscrire un peu la situation de ces Et décharges. l'atmosphère Et aussi. l'atmosphère. Et du coup, on a récupéré ce claquement de cigogne avec le bruit des tractopelles parce que c'est deux ensembles qui cohabitent, qui paraissent peu naturels, mais qui Et cohabitent. qui sont très signifiants vis-à-vis de la De la situation. situation, ouais. Donc, je vous passe rapidement le son. On va en parler Ok. après de ça, je pense. Donc les films. On les passe depuis notre ordi, Colin, ou depuis le vôtre? Je pense depuis le vôtre. À moins Ok. que. C'est sur Vimeo? Niveau sonore. Ouais. Ah bah sinon. On commence pas. Écoute. Ouais. Est-ce que j'ai peur que le transfert de nous à vous, ça fasse déconner les vidéos, non? Ok, attends 2 minutes. Tu sais trouver le nom vite fait sur Vimeo, Martin? Ouais. Ok, alors on va chercher ça rapidement. Si tu tapes Trop bien. Studio Lo Van Abbey Museum, il y a les trois qui vont sortir. Ouais. Est-ce que peut-être pendant ce temps, vous voulez déjà introduire un petit peu donc ces vidéos, on a vu un petit peu le projet. Comment est-ce que vous avez choisi les personnes avec qui vous avez parlé, les plans que vous avez choisis? Est-ce que vous voulez Ouais. parler rapidement de ça? Oui, carrément, on peut introduire là-dessus. Donc, les trois vidéos, elles adoptent trois points de vue différents par le biais des interlocuteurs avec qui on a discuté de ce projet-là. Donc, pour Evora, on a discuté avec une spécialiste qui est donc une chercheuse qui s'intéresse à ce nouveau phénomène, on va dire, de sédentarisation des cigognes au Portugal. Donc, elle travaille Sont dormus. dans un centre Elle à est Evora. ornithologue, voilà. Donc voilà, vraiment une chercheuse qui nous donnait son point de vue sur ce nouveau phénomène et qui nous a apporté au final beaucoup, enfin une bien meilleure compréhension de celui-ci. Pour le Maroc, on a interrogé quelqu'un qui est un peu plus un militant, qui en fait est le responsable d'une association, qui est l'association Oxygène, qui au Maroc est spécifiquement à Kénitra, parce que Kénitra c'est une ville qui est très affiliée à l'image de la cigogne, puisqu'il y en a beaucoup. Milite, on va dire, pour la conservation des bonnes conditions de vie pour les cigognes. Donc, lui aussi, il a pu observer ce phénomène et il donne son point de vue plus de militant, on va dire, vis-à-vis de cela.
Et le dernier point de vue qu'on a, Un texte qui est c'est lu, un texte c'est lu. pas un interview et c'est à propos de la législation sur les décharges. Tout à fait. Parce que pour introduire justement aussi ces vidéos, c'est important de rappeler que en fait, ces décharges-là, elles sont donc décharges à ciel ouvert, elles sont censées, pour celles qui sont dans l'Union européenne, être transformées en décharges fermées. Parce que les décharges à ciel ouvert sont interdites maintenant en Union européenne. Mais le sud du Portugal et le sud de l'Espagne, qui sont des régions plus pauvres en Union européenne, elles ont du mal à effectuer cette transition vers des décharges fermées et donc il subsiste encore des décharges à ciel ouvert. Ce qui pour nous a été problématique dans le sens où on ne nous a pas laissé accéder directement à la décharge. Parce que, y avait beaucoup de méfiance de la part des gens qui travaillent dans ces centres de tri. Ils avaient peur qu'on soit plutôt là pour faire de la mauvaise pub parce que, en fait, les décharges étaient interdites. Alors que c'était pas du tout le propos ni ce qu'on venait rechercher. Mais du coup, lors de notre voyage, on a été un peu contraints par cela à utiliser un drone, en fait, pour venir filmer sur les sites. Donc, on se plaçait juste à côté des charges, puisqu'on avait pu les localiser avec des images satellites. Et ensuite, à partir des zones où on se trouvait, on partait avec un drone pour, on va dire, observer un petit peu la décharge. Et au final, c'était pas mal d'utiliser le drone parce qu'on avait une meilleure vue d'ensemble. Et surtout, parfois, on était presque à vol d'oiseau, quoi. Enfin, au même niveau que les cigognes. Voilà. Ok, Ouais. super. Eh ben, on va peut-être regarder les vidéos. C'est bon. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, je pense que vous allez entendre. Est-ce qu'il y en a une que Mais. vous voulez qu'on passe en premier? Evora? Ouais, il n'y a pas d'ordre. On peut commencer par Evora, c'est la première qu'on a faite. Allez. Ah ouais. Stores really rely on the landfills and on junk now. It's more risky to take the migration. Alors on a un petit problème technique, on n'a que le son pour l'instant. C'est les joies du direct. Hein. Donc là, on a la vidéo. Et ça commence. Stores really rely on the landfills and on junk now. It's more risky to take the migration and to go to Africa. There are some studies showing that birds that breed close to landfills have higher breeding success than the ones breeding far away from the landfill site. It has advantages, probably because the number of resident birds is increasing and probably staying increases the survival of the birds. There are other things that we don't know much about. When they are resting, they are not feeding, they go a bit on the side of landfills. They like to roost near water bodies. They are probably also drinking the water sometimes, and we found some dead birds that were probably, again, what I was saying about the contaminants and that waters usually are like green or blue, or that they have a terrible aspect. We've been tracking lots of storks with GPS devices, and we got some killed near in power lines near the landfills. It seems that there are lots of power lines and pylons, and they get killed mostly through electrocution or collision. On va peut-être regarder les trois vidéos d'affilée.
La cigogne est un bel oiseau, paisible, qui aime le calme et il ne l'aime pas le bruit. C'est un symbole dont nous sommes fiers. Les cigognes blanches semblent avoir assez de migrer et de passer d'un continent à l'autre au cours d'un long voyage, et elles préférant s'installer après avoir choisi le bon endroit. Je peux te dire que la plupart des oiseaux qui ont resté à Kénitra ont survécu en les nourrissant sur les dépotoirs, leur permettant de se nourrir sans dépenser plus d'énergie. Peut-être parce que la cigogne n'est plus en mesure de parcourir la longue distance à cause d'une pollution qui a perdu de sa vigueur et est devenue faible au niveau de son corps. Il y a beaucoup de cigognes dans les ordures à Kénitra et se nourrissent de déchets, de restes et de divers résidus toxiques. C'est mauvais pour eux de se rendre à la décharge, et la situation sanitaire et structurelle des oiseaux s'aggrave de plus en plus. La décharge de Kénitra collecte toutes les formes de déchets, qu'ils soient domestiques, industriels ou médicaux, solides ou liquides, et que s'élever pour la santé de la cigogne et de tous les organismes vivants, y compris l'homme. A decrease of white storks occurring in Western European countries was recorded in Spain until 1987. Since 1987, an unexpected increase in storks numbers was reported, as well as in other Western areas. Some reported increases can be explained by local reintroduction programs, but the more extensive change is still not completely understood. Before 1984, garbage was commonly treated in each town in Spain by dumping it in pits, where it was continuously burnt and so was inaccessible to these birds. In the mid-1980s, open rubbish dumps were introduced, where refuse was spread out over large areas and left until it was covered by new waste. Fences, which excluded mammals such as foxes and dogs, surrounded these sites, but birds could now reach the refuse. This new method provided an artificial, stable source of food for the white storks and many other bird species. On a eu un petit problème informatique, l'ordi a planté. Donc on va rappeler Ismaël et Héloïse pour un petit mot de la fin, comme on est un peu en retard sur le planning. Voilà. Si quelques personnes. Enfin, je ne sais pas si vous avez des La questions ou autre cigogne chose que est vous un voulez. bel oiseau, paisible, qui. On est de retour? On est de retour, ouais. Hello, hello. Trop bien. Du coup, bah, je ne sais pas, il y a peut-être un petit mot de la fin. Est-ce que je ne sais pas si dans la foule, il y a, enfin dans la foule, dans le public nombreux, il y a des questions, beaucoup de questions ou pas spécialement, si vous voulez qu'il y ait un point qui soit développé. Moi, j'avais peut-être une petite question qui est quelque chose dont on a parlé ensemble avant, qui était un peu cette question de. Vous avez décrit quand on en a parlé, les décharges comme des paysages qui sont mi-artificiels, mi-naturels. Je trouvais ça un peu intéressant. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur ça pour clôturer éventuellement. Ouais, ben en fait, je pense que nous, on parlait de ces paysages comme des nouveaux écosystèmes dans lesquels une habitude animale a été modifiée au final par un comportement humain. Mais plus que de poser, on va dire, la question dans ce projet de ce qui était humain et de ce qui était animal, je crois, et du coup de ce qui était nature, de ce qui était culture, enfin toutes ces divisions en fait qui existent, ça avait plus trop de sens dans un lieu comme celui-ci. Au final, les choses elles sont vraiment
interconnectées et une chose influence l'autre sans que ce soit forcément négatif aussi. Par exemple, le fait que les nids sont aujourd'hui construits sur ces décharges à la fois avec des bouts de branches, on va dire, et des bouts De de sacs plastique. plastiques, de câbles, tout ça. On trouvait que c'était assez révélateur au final, on va dire, de ces interconnexions. On n'était pas là pour porter un jugement sur ce phénomène, mais je trouve qu'il est très parlant d'une situation. Ouais, c'est ça. Tout le projet, en fait, il n'a jamais été basé sur un engagement écologique. Et en fait, nous, ce qui nous fascine dans ce système-là, dans ce nouveau paysage, c'est en fait la résilience de ces animaux et comment Les capacités d'adaptation les capacités d'adaptation et comment, à travers quelque chose qui leur est imposé, au final, ça va générer des nouvelles formes d'habitation, de vie aussi, des parce nouvelles que formes de vie jusqu'à aussi. présent, ça n'a pas encore trop modifié, on va dire, leurs comportements sociaux, mais je pense que ça va pas tarder aussi à le faire, puisque cette nouvelle habitude, le fait que les cigognes soient plus en migration, il va forcément faire que elles vont repenser un petit peu leur société aussi en elles-mêmes. Ouais, ce que nous disait l'ornithologue, c'est que l'effet qu'ils arrivent à mesurer déjà aujourd'hui, c'est donc elles ont les cigognes qui ont arrêté de migrer. Donc en fait, déjà la migration, c'était une sélection naturelle parce que les plus faibles n'arrivaient pas jusqu'au bout de la migration. Mais du coup, celles qui restent, l'effet donc de leur nutrition, de leur manière de s'alimenter, ça a pour effet sur ces cigognes-là qu'elles ont réduit de 20% à peu près en taille. Elles sont 20% plus petites. Et plus grosses. Elles sont devenues Elles plus ont, petites, mais plus voilà, larges. elles ont plus de matière grasse. Et aussi leur longévité a été raccourcie, mais leur nombre A a augmenté. augmenté. Et du coup, elles nous faisaient une comparaison un peu avec les rats, quoi. Donc c'est une espèce de prolifération sur un lieu spécifique et avec une durée de vie assez courte. Voilà. Donc, c'est pas bien non plus, c'est juste une nouvelle forme. C'est surtout que nous, notre rôle, il n'était pas forcément là, c'est pas ce qu'on cherchait, mais on cherchait plutôt une situation à travers laquelle on puisse elle-même porter un discours finalement, une observation. Nos pièces, elles ont pour fonction souvent d'être narratives, et à travers ces pièces-là ou ces vidéos-là, c'est exactement ce qu'on cherche, c'est raconter avant tout une histoire. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'aurais peut-être un parallèle à faire. C'est que maintenant que vous êtes à Marseille, les rats, ça va peut-être être votre prochain sujet de travail. Il y en a un petit peu. Ah ben, franchement, ouais, il y aurait un truc extra à faire, je pense, hein. On aimerait bien. L'adaptation des rats, mais c'est les kings en plus pour l'adaptation, les rats, hein. Ben, Ok, merci beaucoup. merci. Merci à vous. Et bonne fin de soirée alors. Bonne fin de soirée, bonne continuation et puis à très bientôt. Super, merci beaucoup. Ciao. Ok, et ici, ce que je propose, c'est qu'on fasse une pause de 5 minutes, ce qui permet à tout le monde de sortir, s'aérer un petit peu si vous voulez. Et on reprend tout à l'heure avec Clyde qui va nous présenter sa vidéo qui s'appelle Grande Perche. À tout à l'heure. Donc je disais bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Alors ce soir, je vais vous présenter mon travail sur la ZAD de Sivens. Donc la ZAD, ça veut dire la zone à défendre. Celle-ci était située dans le Tarn, dans le sud-ouest de la France. Et donc c'était une zone sur laquelle était projeté d'être construit un barrage, donc une retenue d'eau pour alimenter
les cultures aux alentours. Et cette zone-là, c'était une des dernières zones humides de grande importance, de grande taille du sud-ouest de la France. Elle faisait une trentaine d'hectares. Et à partir de 2014, il y a eu une occupation de la zone, jour et nuit, afin de défendre la forêt et d'empêcher qu'elle soit rasée. Je vous laisse découvrir la vidéo et puis on en reparle après.
On ne peut pas se lever, il y a des gens qui ne peuvent pas se lever. Du coup, on a vu ensemble avec Clyde que c'était quand même un travail qui méritait un peu d'explication et de manière générale, un contexte qui méritait qu'on en dise quelques mots. Enfin, surtout que Clyde en dise quelques mots. Moi, je suis plus là pour meubler un petit peu le discours. Est-ce qu'il y a un deuxième micro qui marche ? Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un deuxième micro qui marche ? Et je ne vous vois pas parce qu'il y a des spots qui m'éclairent bien fort le... Ouais, le... Vas-y, essaie. Ben voilà, super. Tu as déjà introduit un petit peu le contexte de la ZAD tout à l'heure. Est-ce que tu veux peut-être en parler un peu plus ? Oui.
Du coup, voilà. Et voilà, moi, c'était une période de ma vie où j'avais décidé de partir voyager. Et très rapidement, je suis arrivée sur cette ZAD. Et j'y suis restée pendant plusieurs mois. Il y a des photos derrière, si tu veux. Ah oui. Bah, là, vous pouvez voir des photos d'archives. Donc, c'est ce qu'on appelle des automédias. Donc l'idée dans le fonctionnement d'une ZAD, donc il y a plein de sous-groupes qui fonctionnent de manière autonome. Et un de ces sous-groupes, c'est l'automédia, c'est l'idée de créer ses propres médias pour diffuser et contrôler le message qu'on diffuse publiquement au lieu de laisser les médias mainstream s'en occuper. Donc sur Zone, il y a beaucoup de personnes qui prennent des images, qui photographient, qui filment. Et après, toutes ces vidéos étaient postées en sûreté en dehors de la zone, chez une amie ici présente qui a collecté plusieurs centaines de gigas d'archives. Et voilà, l'année passée, en 2021, donc 7 ans après que j'ai vécu à la ZAD, je suis retournée chaque année quasiment dans le Tarn, revoir les personnes avec lesquelles j'ai vécu cette expérience. Et donc, 7 ans plus tard, j'ai décidé d'y retourner. Et cette fois-ci, de poser un regard artistique sur l'expérience que nous avions vécue ensemble. Donc j'ai recontacté, j'ai revu toutes ces personnes, mes amis, mes camarades de lutte de cette époque. Je leur ai exposé mon projet. Et en arrivant, je ne savais pas exactement quel angle je voulais aborder, parce qu'il y a tellement de choses à dire et à montrer à propos de la ZAD. Mais il y a un élément très fort qui m'est revenu tout de suite en tête. En fait, c'est Grande Perche, c'est un arbre. C'est l'arbre que vous voyez tomber dans la dernière partie de la vidéo. Et Grande Perche avait une importance toute particulière. D'abord stratégique, parce que il était situé vraiment au milieu de la zone, entre les deux points d'entrée principaux, et très en hauteur, parce qu'il faisait plus d'une trentaine de mètres. Et c'est ce qui nous permettait, vous avez peut-être vu dans la vidéo, mais à son sommet, il y a une petite cabane comme ça, qui est en fait juste une plateforme avec une bâche au-dessus pour pouvoir s'abriter en cas de pluie. Et donc voilà, une personne était en permanence postée à son sommet avec un talkie-walkie. Et cette personne faisait le relais, en fait, entre chaque entrée de la zone, entre les messages d'une entrée jusqu'à l'autre. Donc c'était un arbre qui était occupé, qui était protégé. Et c'était aussi un arbre qui était aimé et qui était célébré aussi pour son individualité. On était plusieurs à être personnellement attachés à Grande Perche. Et c'est vrai que quand on passe des heures comme ça dans un arbre, au final, on y fait des activités de la vie quotidienne, celles qu'on fait quand on est sur le sol. Et pourtant, vivre cette quotidienneté dans un arbre, c'est une expérience qui change tout, en fait. Et notamment d'assister aux travaux, donc aux bûcherons, etc., mais aussi aux forces de la gendarmerie qui étaient très très nombreuses, plusieurs centaines chaque jour, quand le déboisement a commencé. Et voilà, de pouvoir observer toutes ces activités depuis le sommet d'un arbre, ça donne vraiment un autre point de vue. En octobre 2014, j'ai dû quitter la zone pendant une semaine, j'ai dû revenir en Belgique. Et pendant que j'étais en Belgique, un ami à moi, celui qui a filmé la chute de Grande Perche, m'a laissé un message vocal dans lequel il m'a expliqué que malheureusement, la personne à qui ils avaient confié la garde de Grande Perche ne s'était pas levée assez tôt, parce que les gendarmes arrivaient chaque jour plus tôt en fait, et partaient plus tard. Et donc, il fallait vraiment que l'arbre soit occupé de 5h du matin à 21h. Et donc, cette personne n'avait pas pu y accéder à temps. Et du coup, l'arbre a été coupé. Et dans ce message vocal que me laisse mon ami, il me dit que quand Grande Perche est tombée, sûrement chargée de la rosée du matin, il a vu ces milliers de gouttes qui se sont propulsées dans l'air au moment de sa chute et au moment où son tronc a touché le sol, et que dans cette gerbe étincelante qui a duré une seconde, il y a vu les larmes de Grande Perche, comme si le temps d'un instant, Grande Perche avait pleuré sa propre mort avec nous.
C'est un message vocal que j'ai pas pu conserver, mais que j'ai jamais oublié, qui m'avait vraiment touchée. Je trouvais que c'était une traduction très sensible de l'expérience qu'on vivait tous et toutes alors. Et voilà, l'année passée, quand je suis retournée dans le Tarn avec cette idée de travailler cette expérience, je me suis dit que j'allais parler de Grande Perche. Alors la première partie de la vidéo, là où vous voyez un arbre qui pleure, c'est évidemment pour faire écho à ce message que m'a laissé cet ami. Alors, quand j'ai exposé ce travail, voilà, là vous avez vu une partie, donc 4 vidéos, normalement elles ne sont pas montées d'une façon linéaire, elles sont projetées à différents endroits, et donc il y a des mises en lien différentes qui se créent. Et lorsque je l'avais exposé, il y avait notamment une interview de cet ami qui raconte cette expérience, voilà, d'avoir vu Grande Perche tomber et de l'avoir filmée en même temps. Il y avait ça, et il y avait aussi une partie photographique où en fait j'ai demandé à des personnes qui avaient vécu à la ZAD avec moi si elles avaient conservé, comme moi, des objets de cette époque, des objets qui n'ont pas une fonction utilitaire aujourd'hui mais qui subsistent juste pour leur valeur d'objet de mémoire collective. Et donc tout le monde en avait, 1, 2, 5, 6, 10. Et donc j'ai demandé à ces personnes de venir avec ces objets et de poser pour moi avec. Et donc là, par exemple, on peut voir, il y avait une personne particulière qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup habité Grande Perche et qui l'a vraiment beaucoup défendue. Et c'est cette personne que vous pouvez voir, c'est ses mains. Et le baudrier qu'elle tend, c'est celui qu'elle utilisait tous les jours pour monter dans Grande Perche. Et 7 ans plus tard, ce baudrier est toujours dans son camion, alors qu'elle ne grimpe plus. Ça, c'est le téléphone de la Legal Team. Donc, comme je vous parlais plus tôt, il y a différents groupes d'actions différents sur zone. Et je faisais notamment partie avec cette même amie de la Legal Team. Donc, on s'occupe de faire le lien entre... tout ce qui est procès, avocats, personnes de la ZAD qui se font arrêter, qui sont en prison, etc. Réunir des documents, de l'argent pour les faire libérer. Ok, on a juste vu un extrait des reliques, mais c'est pas grave. Il y en avait d'autres. Il y avait aussi, je vous en parlais plus tôt, de l'automédia. Et donc il y avait toute une communication qui était faite par les personnes qui vivaient, qui occupaient la ZAD, autour des événements qu'on organisait, autour de la sorte de propagande en fait, qu'on faisait. Et j'ai rassemblé beaucoup de ces automédias. Et donc ça allait autant de l'affiche qui annonçait un gros rassemblement sur zone que du flyer explicatif sans image qui était distribué. Et donc il y a toute une collection dans le dossier automédia. Et ces affiches, j'ai décidé de les, lorsque je les ai exposées l'année passée, j'ai décidé de les exposer sur de la même façon que mes photographies. Donc elles étaient affichées, elles étaient collées sur un mur avec toute une scénographie. Et par ce geste, je voulais souligner qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre mon expression personnelle photographique. Notamment photographique, mais entre autres. Et cette expression qui sortait de la ZAD elle-même, de ses habitants et ses habitantes. Et je trouvais que c'était aussi, intéressant parce que beaucoup de ces affiches ont un côté DIY, mais pas toutes, pas forcément toutes, et au contraire, mes photographies qui étaient accrochées plus loin, elles faisaient partie d'une autre esthétique, quoi. C'était quelque chose de beaucoup plus travaillé, et j'aimais bien cette idée en les mettant sur le même pied d'égalité. C'était aussi une façon de dire que, en fait, il n'y a pas une esthétique propre au mouvement militant, et que c'est pas parce qu'on vit dans une forêt, dans la boue et sous la pluie, qu'on est obligé de faire des trucs pas très propres.
Il y avait notamment des artistes, des cinéastes aussi, qui vivaient sur zone. Et donc, il y avait toutes sortes d'expressions différentes. Il y avait une véritable pluralité dans la façon de communiquer autour de ça. Et je pense que c'est une vraie richesse de pouvoir montrer toutes ces coexistences et aussi toutes les personnes avec des backgrounds très différents qui se sont investis dans cette lutte. Alors là, les actions, les photos qu'on vient de voir, donc c'est une action qui a vraiment eu lieu au début du déboisement. Donc ce sont des personnes qui se sont enterrées sur le chemin d'accès qu'utilisaient les machines, les très grosses machines qui venaient couper et arracher les arbres. Et cette technique a super bien fonctionné, en tout cas une grosse partie de la journée. Donc à un moment, il y a eu un relais où d'autres personnes sont venues remplacer les enterrés. Et ça a fonctionné jusqu'à 16 heures, donc quasiment l'intégralité de la journée, on était très contents. Et puis à 16 heures, les gendarmes ont expulsé de force tous les journalistes qui étaient présents sur zone. Les journalistes des médias extérieurs à la ZAD. Et une fois qu'ils ont expulsé les journalistes, ils ont chargé. Et juste après avoir chargé, il y a cette vidéo qui a été filmée depuis par une personne qui était perchée dans un arbre. Et qui filment les enterrés après cette charge. Donc là, on voit qu'il y a énormément de gaz lacrymogènes, des personnes qui toussent, etc. Mais la vidéo qui suit, là, c'était cette action. Et ça me touche beaucoup. En fait, il se passe beaucoup de choses dans cette vidéo. Moi-même, je l'ai regardée plusieurs fois, en plus, avec différentes personnes qui filmaient. Donc j'ai eu accès à différentes vidéos. Et c'est assez chouette parce que la première charge des gendarmes, elle est repoussée. En fait, le rapport de force, il est victorieux pour les zadistes. Ça se termine sur ce mot résistance qui est scandé. Et malheureusement, on ne peut pas toujours résister aussi longtemps qu'on le voudrait. Et donc, en fin d'après-midi, les personnes enterrées ont été déterrées de force, ce qui est quelque chose de dangereux au niveau de la santé. Parce que la pression exercée sur le corps, le fait d'en être arraché immédiatement, ça peut créer des soucis. Il y a d'ailleurs une personne qui a été hospitalisée suite à ça. Donc les personnes enterrées, elles se sont fait gazer, comme tout le monde, mais avec aucune possibilité de se protéger. Et puis les gendarmes leur ont passé dessus, en fait. Et quelques semaines après, Grande Perche a été abattue. Et Grande Perche était un des derniers arbres debout sur zone, comme vous voyez dans la vidéo, il était un peu tout seul, et déjà rien que cette image est terrible, parce qu'en fait, Grande Perche était vraiment au milieu d'une forêt, et c'était un arbre un peu secret, un peu caché, il fallait savoir qui il était et où il était pour le trouver. Et juste dans ces dernières semaines de déboisement, le voir complètement nu, c'était très troublant. En plus, les arbres qui sont très longs et fins, comme Grande Perche, sont des arbres en fait qui ont besoin de leurs congénères pour vivre. En fait, ils s'appuient sur eux. Et puis, il y a aussi tous ces échanges au niveau des racines. En fait, c'est des arbres qui ne sont pas faits pour vivre seuls comme ça, complètement dénudés. Et voilà, en réponse à la fois à Grande Perche qui chute, et aussi dans une volonté de reenactment de cette action de s'enterrer, je me suis enterrée moi-même, donc je suis retournée sur zone. C'était impossible, 7 ans après, de retrouver l'endroit où était Grande Perche lorsqu'il était encore vivant. Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Elle a été entièrement déboisée. Mais le barrage n'a pas été construit parce que les gendarmes ont tué Rémi Fraisse, qui était un militant qui était sur la ZAD à l'occasion d'un week-end. Et ce week-end-là, on a reçu plusieurs centaines de grenades, différents types de grenades, assourdissantes, désencerclantes, les grenades lacrymogènes, etc. Et c'était vraiment une ambiance de guerre, avec donc ces bruits d'explosion, avec le feu, avec la nuit. Et Rémi Fraisse a été touché par une grenade qui a été lancée en cloche, ce qui est spécifiquement interdit dans les règles d'usage de ces armes létales. En fait, ils sont censés les faire rouler sur le sol. Et là, ils l'ont envoyé en cloche, et la grenade s'est coincée dans son sac à dos, et il l'a tué sur le coup.
À partir de la mort de Rémi Fraisse, il n'y a plus aucune machine qui est entrée sur zone. Tout d'un coup, les travaux se sont arrêtés. C'est absolument terrible de se dire qu'il faut payer d'une vie humaine pour faire entendre notre message, parce que peu après, toutes les actions politiques qu'on avait, les actions juridiques qu'on avait intentées, les jugements ont été rendus, et en fait, ils étaient tous en notre faveur. Les travaux de déboisement ont été jugés illégaux du début à la fin. Cette forêt qui abritait beaucoup d'espèces protégées n'aurait jamais dû être déboisée. Donc elle l'a été, mais elle n'a pas été transformée en barrage. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont repoussé aujourd'hui. C'est plus une forêt, il y a beaucoup de vaches qui vivent sur ces terres principalement. Mais la zone a repris vie, elle est de nouveau vivante, d'une façon vraiment différente, mais on l'entend, on le voit, on le sent. Et donc l'année passée, j'y suis retournée et voilà, j'ai décidé de m'enterrer dans cet endroit, à la fois pour dire que même si Grande Perche est tombée, la vie sous d'autres formes a repoussé. Et c'était aussi une façon de faire écho à cette action politique qui a quand même bien fonctionné. Et donc voilà, de façon plus générale, ce travail, c'est une façon de poser la question, est-ce que c'est possible de poser un regard artistique sur un combat militant ? Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses très sensibles qui ont été vécues et exprimées, comme ce message vocal que mon ami m'a laissé. Et dans le quotidien d'une lutte qui est parfois difficile, mais pas toujours. Ce quotidien est parfois traversé par des moments de grâce. Et c'est ce que j'avais envie de souligner à travers ce travail. Je pense que j'ai fini. Ouais. On avait prévu une série de questions au cas où il y avait un blanc, quelque chose où Clyde savait plus quoi dire, mais toutes les questions ont été abordées là, notamment la question du sensible, du militantisme. Il y a peut-être une dernière question qui n'a pas été abordée, je peux attendre deux secondes. Hein. C'est la question du rapport à la nature dans ta pratique. Peut-être que si tu veux nous en dire deux mots, enfin je sais que tu travailles, tu as plein d'autres projets aussi sur ça, si tu veux peut-être en mot de fermeture ouvrir sur le reste de ce que tu fais. Ouais, tout à fait, avec plaisir. Donc ça fait 2 ans que je mène un travail de recherche avec Lucille Calmel, qui a pour thème l'art de la performance. Avec, pour ou par les animaux autres qu'humains. Et donc voilà, dans le cadre de ce travail, j'ai collectionné beaucoup d'exemples de collaborations interespèces qui me semblaient relever de nouvelles façons de collaborer avec le vivant. Et on a organisé plusieurs événements pour présenter en quelque sorte les résultats de cette recherche. Et ce samedi 11 décembre, il y a le dernier événement qu'on organise, qui a lieu à IMAL, donc un centre d'art plutôt numérique, le long du canal. Et voilà, comme c'est un centre d'art numérique, qui avait aussi dans notre recherche un focus sur les nouvelles technologies. J'y présente notamment une conférence sur l'art, les animaux et les technologies, mais il y aura aussi une table ronde avec Fleur Courtois et Régine Debatty, et une performance live de Gwenola Wagon. Donc voilà, c'est gratuit, c'est sans CST, et je vous invite tous là-bas, ce sera très chouette de vous y revoir. Du coup, on va enchaîner sur un film qui est un film de Ana Vaz qui s'appelle, excusez mon brésilien, Aidede da Pedra. Et c'est un film que j'ai trouvé vraiment magnifique, qui en mon sens parle du thème de ce soir. Et j'ai pas tellement de mots pour l'introduire, je pense que ça mérite juste d'être regardé. Donc j'espère que ça va vous plaire.
Donc Anavaz est la seule des artistes, enfin une des deux artistes qui n'est pas là ce soir, donc qui ne parlera pas de son film. Je vous propose du coup 5-10 minutes de pause. Ensuite on aura Non A qui viendra nous parler de son livre Métaphorique Cannibale. Ensuite Mosen qui présentera son film Killing. Et puis un concert. Voilà, à tout à l'heure, à tout de suite. Ok, on y va? Bonsoir, nous sommes Non A, ou plutôt trois membres du Non A, parce qu'on est un groupe avec plusieurs personnes en active. Et ce soir, à l'invitation de Colin, merci Colin pour l'invitation, nous sommes venus vous parler de notre travail en cours, notre non-projet comme on aime bien les appeler, qui est un recueil transdisciplinaire nommé Métaphorique Cannibale. Voilà, je pense qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, on va peut-être se présenter un peu, enfin présenter un peu notre association sans but, ASB, Non A donc. Peut-être qu'on peut, pour cela, commencer par avoir projeté à l'écran notre site web, qui est aussi un outil, un wiki en fait, sur lequel il y a une petite phrase, enfin un petit paragraphe, qu'on aime bien utiliser pour un peu se présenter. Donc voilà. Notre wiki, je vais vous la lire aussi. Non A est un non-programme de recherche et de création transdisciplinaire pour que les arts, les sciences, les militantismes, les spiritualités et les rapports sensibles au monde s'entremêlent et se tissent, pour ainsi mieux appréhender la nécessité et la complexité des changements de paradigme. Composé d'artistes, chercheurs, chercheuses, et militante, Non A cherche à élaborer des nouvelles pratiques, concepts, récits et manières d'être au monde. Ça fonctionne encore? Bon, merci, bonsoir. Voilà. Ça refonctionne, est-ce que... Ouais. Où en étais-je? Voilà, Non A cherche à élaborer de nouvelles pratiques, concepts, récits et manières d'être au monde pour penser nos rapports au capitalocène. Non A cherche à se positionner dans un futur proche comme catalyseur de transdisciplinarité. Donc voilà pour notre petite présentation. Je vais laisser la parole pour un peu approfondir rapidement un peu ces idées qui sont développées ici, enfin qui sont abordées ici. Oui, donc Non A, pourquoi Non A? Pour non-aristotélicien. Donc pourquoi critiquer Aristote, la pensée d'Aristote? Ben, il est énormément structurant pour la pensée dominante, la pensée occidentale, Aristote, le philosophe grec, et notamment avec un concept de logique qui s'appelle le principe d'identité, qui dit que si A égale A, il ne peut pas être B. Donc en gros, si la nature est la nature, elle ne peut pas être la culture. Et c'est le début du rationalisme, la réalité ne peut être qu'une, et c'est la réalité des occidentaux qui est la vraie réalité, c'est l'ethnocentrisme, l'eurocentrisme. Et nous, pour dépasser cette vision aristotélicienne, on mobilise la transdisciplinarité et peut-être je vais... Oui. Transdisciplinarité pour penser...
cherche à apporter donc, du soin. Et c'est ce que l'on entend par penser. Donc ce terme penser avec un E dans le A. Donc penser nos rapports à la capitale de Seine. On cherche à combiner donc, la réflexion au soin et penser tout en pensant. Mais non pas penser les conséquences du capital au Seine, mais penser les causes, réfléchir aux causes du capital au Seine plutôt. Et cela implique la création de nouveaux récits, la création de nouvelles pratiques et de nouveaux concepts. Ouais, bah justement, un peu dans cette, c'est un peu de là qu'on est parti pour ce non-projet, ce recueil, cette idée de recueil qui serait donc proposer de nouvelles manières d'être au monde. Donc ce recueil métaphorique cannibale, on est dessus depuis longtemps. Et voilà, on avait lancé un appel à projet il y a 2 ans, et un peu moins de 2 ans quand même. Et voilà, et on a fait aussi quelques demandes ciblées. Des invitations. C'est ça, voilà, pour réunir à peu près une trentaine de contributeurs, contributrices. Vraiment avec des profils hybrides, des propositions hybrides, des médiums hybrides. Enfin, il y a plein de choses différentes dans ce livre. Et peut-être tu veux parler un peu de. Ouais, du coup, oui, on a invité une trentaine de contributrices à questionner la pratique du cannibalisme et à en explorer son sens, à imaginer le cannibalisme comme une métaphore pour penser notre monde. Dans la pensée dominante, le capitalisme est plutôt vu comme le paroxysme de l'altérité, comme l'autre. Et on peut dire, oui, que le ou la cannibale est à l'inverse de l'homme ou de la femme civilisée, dans la pensée dominante. Et on a souhaité dépasser ce paradigme-là et penser le cannibalisme comme un miroir pour nous contempler nous-mêmes. Envisager le cannibalisme comme une métaphore. On propose ici en fait la métaphore cannibale. Et donc ce livre, ce recueil, c'est un lieu où il est possible de faire surgir des narrations alternatives, des mythes, des modèles qui résistent aux pensées dominantes, telles que la pensée coloniale, néocoloniale, telles que l'hétéronormativité, le racisme, le sexisme ou même le capitalisme libéral. Et il en fait le lieu de refuge d'individus qui se nourrissent comme ça d'irrationnel ou d'occulte, d'imaginaire, d'intime. C'est un livre qui va accueillir du coup des protestations, des cris, des désirs de bouleversement de l'ordre établi, de la norme en place. Et c'est au final un livre qui va convoquer des images assez inattendues et provocantes, et dans lequel il y a énormément de violence. En fait, cette notion de violence est au final très importante dans ce recueil, et il se joue vraiment quelque chose dans le sens où cette violence est réappropriée et devient un espèce de safe space, paradoxalement. Ouais, en fait, on s'est rendu compte en travaillant vraiment que la métaphore du cannibalisme est quelque chose qui, par la violence extrême, en fait, vraiment ouais, secoue beaucoup de choses, beaucoup de fondements de la personne occidentale, que ce soit l'idée d'identité de l'individu, mais aussi du rapport à l'autre, évidemment le rapport nature-culture, enfin, toutes ces choses-là. Mais donc, ouais, qui est approprié en tant que safe space. Ouais, beaucoup de contributeuristes, en fait, ont choisi la violence pour s'exprimer, et que ce soit dans la forme ou vraiment dans le texte. Pour continuer, on a voulu aussi vous lire quelques extraits qu'on a choisis de notre recueil. Et notamment, on aimerait commencer par un extrait de l'introduction de ce recueil qui a été écrit par Manon Schaffel, qui est une membre de NOA, qui est une autrice, journaliste et archiviste qui vit à Paris. Donc, qui a écrit notre introduction. Et dans cette introduction, elle précise donc les enjeux de ce livre et elle insiste abondamment sur cette notion de safe space. Et du coup, j'aimerais vous en lire un extrait plutôt qui aborde plus les enjeux que cette notion de safe space, mais qui est quand même très explicite. Est-ce qu'on pourrait avoir à l'écran peut-être l'extrait de l'introduction de... Ah oui ?
pensez quoi? C'est mieux avec ou c'est mieux sans? C'est bien avec. Ok. Le cannibalisme sert souvent dans notre société occidentale, qui a baigné successivement dans le platonicisme, le christianisme, le rationalisme technoscientifique et sa religion du progrès, le nationalisme socialiste et le capitalisme libéral, de référentiel absolu de la violence. Particulièrement dans la culture hyper contemporaine qui ne supporte pas la vue d'un mort et va jusqu'à en évacuer l'idée. Son concept transgresse donc plusieurs tabous. À travers l'anthropophagie, il s'agit d'ingérer la substance inerte de l'autre, de manger son cadavre. On l'associe à un projet barbare, morbide, à une relation interpersonnelle destructrice, avilissante et annihilisante. Il est enfin envahi de préjugés culturels et cela demeure un enjeu de le décoloniser. Par extension, cannibale désigne toute personne cruelle et féroce. Mais dans l'espace que nous avons ouvert, manipulé par des mains critiques, insoumises, l'acte cannibale s'octroie d'autres desseins. Pris comme métaphore, il devient l'un de ses outils, l'une des pierres pour un édifice utopique en cours de chantier. Le cannibale est une spécialité belge, composée d'un toast recouvert de filet américain, une variante belge du steak tartare. Parmi nos influences, Chris Corda, à l'origine de l'église de l'euthanasie, The Church of Euthanasia, organisation fictive qui prône pour commandement le suicide, l'avortement, le cannibalisme et la sodomie. L'activiste, artiste et DJ ouvre la voie à une nouvelle éthique post-humaniste déviante. De violent, le cannibalisme devient une pratique vertueuse pour l'écosystème. C'est un moyen de ne pas transformer la viande humaine en déchets, de diminuer une partie de la production agroalimentaire et les dégâts environnementaux qu'elle cause. Quel problème y a-t-il à s'entremanger, si cela ne signifie pas s'entretuer, mais plutôt se nourrir de la matière morte disponible ou volontaire au sacrifice, au lieu de pratiquer l'élevage industriel écologiquement nocif, de perpétrer les massacres d'animaux à grande échelle dans les abattoirs. Le cannibale est formé d'une tranche de pain de mie. Cette tranche est passée au toaster avant d'être coupée en diagonale formant deux triangles. Une couche assez épaisse de filet américain est tartinée sur la tranche de pain grillé encore tiède. On peut y ajouter des cornichons, des petits oignons au vinaigre ou des câpres. Merci, Laurie. Pour cette lecture d'un extrait donc, de l'introduction de Manon dans le recueil. On va continuer un peu avec la matière concrète du livre. Je vais à mon tour vous lire un extrait, qui est donc un extrait d'un poème, un texte poétique en quatre parties, qui s'appelle « Les horizons des événements », et qui est un texte qui essaye un peu, par une espèce de mettre en... de montrer un peu la relativité des notions de micro-macro, nature-culture, et qui prend pour ça une espèce de, pour te citer Laurie, le paroxysme de l'altérité, qui est en fait la fusion de deux trous noirs. Quand deux trous noirs se mangent, se cannibalisent, c'est comme ça aussi qu'on peut y faire référence. L'horizon des événements est un terme qui vient de là. Donc voilà, je vais vous lire la troisième partie de ce texte en quatre parties, qui s'appelle « Fusion ». Et comme eux, là, ils l'ont bien mérité de toute façon. Moi, je veux tout. Je les veux tous et toutes. Surtout tous. Leur modernité mâchée et digérée. Moi, je la recracherai, goût dégueulasse, rance, fermentée, pas dans le bon sens du terme. Fait que leur gaz, leur cuisine moderne, fait que l'autre, là. Moi, glouton, oui, avide, oui, vorace. Sauvage, non. Assimilation plus forcée que choisie. Et pourtant, toujours, on veut tout. Les mains tachées de sang, les pieds couverts de boue. Toujours dedans. Fouiller les poubelles pour bouts de viande pourrie et autres chairs à canon, matière malléable, dispensable.
J'ai perdu mon langage à force de ne pas parler aux gens, mais je me souviens de ça. Placenta signifie gâteau en latin. Et alors, on en sort quoi? Un contrat signé, une exploitation contre une autre? Après tout, pourquoi pas, la consommation est une certaine idée de la liberté. La chasse en est une autre. La fusion, l'acquisition de singularités, dont l'unique issue est de continuer à bouffer du capital, bouffer la poussière. Et retour au début. Poussière. Ce documentaire à propos de ces méduses qui retournent à l'état embryonnaire lorsqu'elles se sentent menacées. Mood. Vouloir se regarder dans le miroir et se mordre d'une balle dans le pied, rien n'échappe. Les anges bouffent-ils? Ils? Les anges bouffent-ils leur placenta après accouchement? En tout cas, c'est certain, ils n'aiment pas leurs enfants comme nous aimons les nôtres. Bien au chaud dans ton ventre, ton bide plein de plasma, je redeviens une cellule circulaire et lumineuse. Je ne vois pas d'autre issue. Changeons d'échelle. Je me change en la lèvre qui a dévoré le monde entier pour le contenir dans ses courbes. J'en suis incapable et je me consomme. Merci Gab. Avec plaisir. Je vais vous lire un autre passage d'un texte qui s'appelle « Des cannibalismes spéculatifs pour un post-spécisme écocentrique ». Donc, ouais, y a, comme le titre l'indique, il y a plein de mots compliqués. Donc, il va y avoir normalement un petit lexique avec quelques mots. C'est écrit par un membre anonyme du NOA. Et je vais commencer une courte lecture alors. Elle parle avec sa sœur. Mais c'est une pierre, rétorqua le chercheur. Et le camarade dit : En effet, et où est le problème ? Tout comme cette femme, Hopi, qui parlait avec sa sœur Pierre, on trouve, dans de très nombreuses régions du monde, un grand nombre de personnes qui parlent avec des montagnes. Dans les Andes, par exemple en Équateur ou en Colombie, on connaît des lieux où les montagnes forment des couples. Il y a la mère, le père, le fils, une famille de montagnes qui partagent des sentiments et échangent tout un tas de choses. Les gens qui vivent dans ces vallées font des fêtes pour ces montagnes, leur donnent de la nourriture, leur font des cadeaux et reçoivent eux-mêmes des cadeaux des montagnes. Une citation de Elton Krenak, « Idée pour retarder la fin du monde ». Le post-spécisme, ici spéculé, est une proposition de dépassement du zoocentrisme et plus largement du biocentrisme via l'inclusion de certains non-vivantes. Les biotopes, comme les rivières, les déserts, les montagnes ou les facteurs abiotiques, les composants comme le climat, l'air ou les sols, dans nos considérations morales, et ceci via un égalitarisme écosphérique. Tout comme le fleuve Watou, grand-père de l'activisme Elton Krenak, la sœur pierre de la femme Hopi, ou les familles de montagnes de certains peuples antins, ces êtres abiotiques ne doivent plus être considérés comme des ressources ou de simples paysages, mais bien comme des semblables faisant partie du nous, pour ainsi tisser et repenser les complexes interactions de notre monde, de nos mondes, pardon. Le post-spécisme serait le fruit de recherches de désindividualisation et d'écosystémisation de la notion d'espèce via la reconsidération de nos visions des êtres vivants. Espèce. Une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde. Individu. 1. Être formant une entité distincte dans une classification. 2. Corps organisé, vivant d'une existence propre et qui ne saurait être divisé sans être détruit, plante, animal. Pourtant, ces individus qui constituent les populations, formant elles-mêmes les espèces, ne sont en rien une unité distincte, vivant d'une existence propre et qui ne saurait être divisée sans être détruite. Car nous ne sommes pas des individus, mais des écosystèmes. Nous ne sommes pas une unité, mais des enchevêtrements de relations symbiotiques constituées d'innombrables micro-organismes. Nous ne sommes pas distincts, autonomes et étanches dans un environnement qui ne se contenterait de nous entourer. Nous sommes l'environnement, nous sommes le paysage, nous sommes le monde, nous sommes toutes du lichen. Nous sommes un ensemble d'enchevêtrements faits d'échanges constants entre nos écosystèmes supposés internes et les écosystèmes supposés externes et d'interdépendance entre des vivants et des non-vivantes. Je saute un petit paragraphe. Pour un nous tellement élargi que tout corps nourri devienne cannibale, se substantant d'un semblable non humain.
pour un post-spécisme non pas centré sur l'égalité entre les êtres vivants, mais sur ces interactions constantes qui constituent notre monde, sur ces complexes tissages faits d'abiotique et de biotique. Pour un post-spécisme non aristotélicien, pour un post-spécisme écocentrique où les humains ne seraient pas despotes, gardiennes ou gestionnaires, ni même vivantes parmi les vivantes, mais écosystèmes parmi les écosystèmes. Et je viens de capter que j'avais oublié d'expliquer d'introduire le texte. Bah, fais-le maintenant. C'est je pas le fais maintenant. Donc ce texte, en fait, il propose le cannibalisme comme concept pour changer de paradigme. Et alors comment faire, pourquoi, comment? C'est dans nos sociétés capitalistes, dans nos sociétés occidentales contemporaines, on a érigé les humains, humaines, comme des sujets, et le reste, donc la nature, comme des objets qui seraient des ressources exploitables et possédables. On peut posséder ces objets qui sont la nature. Donc ça, c'est un peu pilier du capitalisme. Et dans ce contexte, il a émergé une rationalité, un modèle de pensée un peu hybride, qui est l'antispécisme du véganisme. Et dans ce modèle de pensée hybride, on ne considère plus les animaux non humains comme des objets, mais comme des sujets, car ils sont doués d'une intériorité comme nous. Donc de ce fait, il n'est pas possible de les exploiter, de les posséder. L'impasse un peu de ce modèle de pensée, c'est que c'est intégrer en fait les animaux non humains dans la culture, et les autres non humains, qui sont donc les pierres, les plantes, les arbres, les déserts, les montagnes, restent des objets, donc restent des ressources exploitables. Et de ce point de vue, du coup, le cannibalisme, il devient un moyen de nous remettre, pas à l'état d'objet, mais d'annihiler un peu cette dichotomie entre sujet-objet, entre nature-culture, entre sacré-profane aussi, parce que la proposition de ce texte, c'est des rituels cannibalistes, de rituels cannibales, dont un qui est mon préféré, qui consiste à manger les riches dans des brasiers insurrectionnels, pour essayer de dépasser ces dichotomies nature-culture, sujet-objet et sacré-profane. Et on peut passer peut-être un dernier texte. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Pour finir, je vais vous lire un dernier texte qui est la feuille de salle d'une performance réalisée par Hélène Alix Mourier, qui est une graphic designer et une artiste plasticienne qui se bat pour les corps queer et marginaux, qui est très engagée dans des luttes. Et donc c'est une performance qui a eu lieu au Confort Moderne en 2018 et qui s'intitule Cybeach, le devenir chienne cyborg. Et je vais vous en lire un extrait. Toujours surchauffée, sale et abjecte, à voile et à vapeur, les bitches déferlent et yelles veulent du nouveau. Yelles veulent sortir de la fange, bouger, décoller, sombrer dans les hauteurs. Yelles savent et choisissent exactement ce qui les pénètre et ce qui ne les pénétrera plus. Yelles élisent spécifiquement des substances, car yelles savent que les molécules qui les traversent les constituent. Yelles savent qu'yelles passent chaque fois des pactes qui forgent leurs yeux. L'ensemble des molécules qui pénètrent leur corps dépasse les discours binaires autour des us et coutumes, de la survivance et des faits de nature. Yelles considère ce qu'Elir fait. Yelles se lie à l'éthique et au vivant. Yelles expérimente ce que signifie de refuser de se laisser pénétrer par de la violence physique, psychique, symbolique et biologique. Yelles expérimentent leur corps comme un terrain impur et partagé, avec leur espèce compagne, et passent tout ensemble des contrats. Après la première nuit où nos yeux se sont croisés et nos cous étirés,
Tu m'as envoyé une lettre. Nous avons passé ce contrat. Voudras-tu être pute ? Voudras-tu être chien, chienne ? Voudras-tu être modèle ? Voudras-tu être âme sœur ? Voudras-tu être mien, mienne ? Me rejoindras-tu là où je te l'intimerai dans le noir ? Disparaîtras-tu de la surface pour t'enfoncer avec nous chaque fois ? À ces questions qui me transpercent, à ces questions qui me font trembler, tremper, je réponds. Tu es ma conviction. Je n'ai pas l'audace de te dire ce que je veux être chacun, chacune pour toi, mais je signe en bas de ta page. Ma signature est faite des pulsations de ma tête et des gouttes de sueur qui coulent de mes pores. Je suis ton espèce compagne. Tu tires ma crinière, frappes ma coupe, soignes mes plaies, flattes mes flancs, ajustes mon harnais. M'autorise à lécher, m'interdit de mordre. Caresse mes joues, presse mes mamelles, baisse mes yeux, enjambe mon cul, agrippe ma nuque, serre mes sangles, enfonce tes doigts et défais mon collier. Bitch ne revêt pas sur elle n'importe quelle armature, car au même titre que ce qui elle avale, ce qui elle touche et par qui elle le touche est cosmique. Sa peau, son collier, sur ma peau, autour de mon cou. Bon, on aurait bien fini sur ce texte, mais on a un dernier truc à vous dire. Tout à l'heure, Gab évoquait qu'on était une association sans but. Donc, on n'aime pas définir les choses, on est dans un processus mouvant continuellement. Et début 2022, on va organiser des rencontres transdisciplinaires avec une permanence transdisciplinaire dans nos bureaux qui sont à Zone Clopper, qui est une grande occupation de 10 000 m² à Forêt, qui a été ouverte illégalement mais qui est maintenant légale et où il y a plein d'artistes, des militants et militantes, des sans-papiers, des transmigrants, un grand lieu propice à la transdisciplinarité. Et vous êtes tous invités à continuer nos travaux ensemble autour des notions comme, en fait, oui, rencontres transdisciplinaires, elles sont métatransdisciplinaires dans le sens où la transdisciplinarité, c'est l'approche de création et de recherche, mais c'est aussi, ça sera aussi notre sujet. Et voilà, on vous invite tous à ces rencontres début 2022. Peut-être qu'on peut lâcher c'est notre la méthode, le sujet et le but aussi même. Ouais, le but, non, vu qu'on est une association sans but. Mais peut-être qu'on peut lâcher notre mail aussi. Et bah, ouais. Non, vas-y. Et que juste signaler que on est tous les trois du nom à là, mais il y a aussi Martin qui fait n'importe quoi en stream et à la technique depuis tout à l'heure. Et il y a Robin. Robin juste là aussi. Voilà. Ouais, et peut-être juste un dernier mot très concrètement sur le recueil. Ouais. On peut le dire qu'on est. Voilà notre mail. Voilà. Écrivez-nous. Écrivez-nous avec des sous parce qu'on est toujours en recherche de financement pour le livre, mais idéalement, il serait produit en voilà, premier trimestre de 2022. Donc voilà. Ouais. Donc, bientôt, quoi. Enfin. Si vous avez des plans de financement. Ouais. Alors, on n'est pas contre, quoi. Parce que déjà, de base, on galère, parce que vu qu'on est une association sans but, donc du coup, quand on gratte des subsides, quand on dit, bah en fait, on sait pas ce qu'on veut faire, mais on veut des sous. Voilà. Merci. Parce que ces capitalistes sont des petits capitalistes.